Là, je parle plutôt au toi du futur, celui qui aura un petit peu d'expérience et qui aura compris que le décor, à l'image de ta personnalité, peut se permettre d'un petit peu changer. Et que dans ce cas-là, il peut évoluer et peut-être tout simplement prendre l'air. Car finalement, beaucoup de créateurs finissent par faire cela, changer complètement de décor au cœur d'une chaîne qui est pourtant bien rodée, mais dans laquelle ils finissent par voir une certaine forme de limite. Ce que, je te comprends totalement, tu finiras certainement par voir au cœur de cet endroit qui te semble si cher et si important, mais qui finalement te limite en termes d'espace, mais surtout en termes de créativité. Cet endroit qui t'a porté et qui t'a apporté énormément de choses ne résonne plus comme étant en adéquation avec tes intentions de créateur. Et du coup, en ce sens, tu ne te retrouves plus au travers de ces affiches, de cette petite figurine pop ou encore de cette chaise qui t'a aidé à faire tes premiers pas, mais qui aujourd'hui te semble usée, rugueuse et peut-être même qui s'est cassée et qui du coup ne peut plus t'aider à avancer dans la direction que tu souhaites. Oui, je sais, tu as envie de pleurer. Mais cela ne servira à rien parce que il faut le voir comme de nouvelles possibilités, un moyen d'avancer, de progresser et de proposer quelque chose de nouveau sur ta chaîne. Je prends forcément l'exemple de Victor, aka notre cher In The Panda, qui a toujours aimé bouger et qui s'est cantonné à un décor presque uniquement dans les premières vidéos de ses Unknown Movies, avant de rapidement sortir pour offrir aux spectateurs une nouvelle lecture plus dynamique de son contenu par le biais d'une évolution physique et contextuelle de ce que la vidéo avait à dire sur son sujet. Victor est un bel exemple, mais il n'est pas le seul, car si on prend celui de François, aka le Fossoyeur, ou encore celui de Durand, ah ben non, il ne change jamais de décor. C'est un bel exemple du cocon qui reste douillet et qui nous plaît. Mais bon, vous voyez l'idée. En soi, changer de décor, proposer un nouveau lieu au spectateur et lui donner envie de vous découvrir autrement, cela a quelque chose, certes d'effrayant, mais également de palpitant et de prenant, n'est-ce pas? Comme si le changement de ce décor était la représentation d'une nouvelle étape et d'une peut-être possible avancée pour ta chaîne. Au fond, ce décor n'est pas une limite, simplement un tremplin. Et je pense, certainement à raison, que dans l'envie de bouger, il y a une envie de créer et de développer quelque chose de différent. Et là-dessus, je ne peux que te soutenir. Dis-toi simplement que ce décor que tu as côtoyé sera toujours là pour avancer avec toi et qu'il ne va pas bouger tant que tu n'auras pas choisi de le bouger et d'avancer. Et en ce sens, il t'attendra, sagement, peut-être dans l'espoir que tu reviennes vers lui. Le fait est que tu peux te permettre de bouger, d'avancer, d'aller dans une direction peut-être incertaine, mais qui te permettra certainement d'amener de nouveaux traits de ta personnalité à ton public, et donc de lui faire découvrir ce que tu as envie de lui partager, de lui dévoiler, de lui montrer, un peu comme un nouvel amour que tu aurais simplement mis envie de connaître et de côtoyer. Et sur ce, le mois prochain, nous aborderons un sujet qui te semble bien plus énigmatique, mais qui est extrêmement important, la dynamique des vidéos sur ta chaîne.